Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier de Cédric de 17 à 18 en parlant du 19. Aujourd'hui, c'est un atelier crowdfunding ou financement participatif avec KissKiss Bank Bank et Mathieu Schneli précisément. Quelques infos à vous donner avant de commencer ce live. Donc la première, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Donc ici en dessous, posez vos questions directement que je montrerai à notre invité et auxquelles nous répondrons en direct. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous faites partie du groupe Facebook, il faut, si vous voulez qu'on voit votre nom, autoriser l'application. C'est un petit truc technique, mais je vous mets le lien en dessous. Il faut autoriser Facebook pour que votre nom se voit. Sinon, vous poserez une question en anonyme, ce qui est bien aussi. Et puis, la deuxième chose, n'oubliez pas que si vous voulez revoir cet épisode ou les épisodes passés, c'est-à-dire ceux de la semaine dernière et ceux d'avant, je vous mets aussi le lien Bit.ly qui comprend toute la playlist avec toutes les rencontres virtuelles qui ont été faites et qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'atelier. Voilà, je le vois regarder de façon romantique par sa fenêtre. Il est là pour vous, en direct, Mathieu Schneli. Salut Mathieu. Bonjour à tous, salut Cédric. Tu vois, c'est dommage, hein, j'ai pas l'application pour le son là. J'aimerais bien mettre des petits, un petit clavier. Ouais. Eh ben, merci d'être venu jusqu'à nous, du coup, enfin ici là, dans cette jolie maison. Toi, donc tu es coach team manager chez KissKiss Bank Bank. Tout à fait. Et alors, en quoi que ça consiste ? En quoi que ça consiste ? Chez KissKiss Bank Bank, qui est donc une plateforme de financement participatif, de crowdfunding, ouais, comme tu l'as si bien dit, on accompagne les projets. Ça fait partie de notre prestation, hein. On va bien au-delà de ce que peut faire une cagnotte en ligne. On est vraiment sur des mécaniques de campagne. Et donc, il y a un accompagnateur qui est dédié à tous les projets, qui sont tous formés sur des méthodes un peu différentes selon les univers. Et donc, c'est pour ça qu'on est aussi particulièrement actif dans la culture et la musique, puisque c'est vraiment l'ADN de la plateforme. Et c'est là-dessus que ça s'est lancé, hein, en 2009. Et donc, moi, plus particulièrement, ayant travaillé dans le milieu de la musique, je m'occupe, entre autres, d'accompagner des projets musiques avec toute une équipe de coachs. Tout à fait. Donc bon, le financement participatif ou crowdfunding, plein de gens connaissent. Ça fait quand même quoi 10-15 ans que c'est popularisé. Moi, je crois de 10 ans peut-être. Ouais, on a eu 11 ans cette année là, tu vois. Voilà, c'est ça. Quand j'ai commencé l'atelier il y a 10 ans, on commençait à en parler et là, ça y est, c'est bien installé. Donc effectivement, sur KissKiss Bank Bank, tout type de projet. La musique, ça représente combien de pourcents à peu près? Alors franchement, j'ai pas les chiffres en tête. Une vingtaine de pourcents, 20-30%, c'est pas facilement, facilement. Ouais. D'autant qu'on est vraiment une plateforme multispécialiste, donc on a un ADN très culturel, mais on a aussi des projets qui viennent d'autres univers. Mais oui, c'est facilement, ça dépend des périodes, mais effectivement, okay, on peut vite monter à 20%, au moins 15% des projets. Bon, je vous ai mis le lien du site KissKiss Bank Bank. Bon, bah, très facile à trouver, hein, donc vous pouvez regarder dessus effectivement tous les projets qui sont en cours de développement, effectivement. Alors en ce moment, puisque quand même, mine de rien, effectivement, il y a 10 ans, on n'était pas dans la même merde. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe en ce moment du côté du crowdfunding et pas justement que de la musique, puisque tu gères effectivement tous les projets de crowdfunding? Alors en fait, c'est une période assez dense pour nous, parce qu'il y a deux choses. Premièrement, il y a des gens qui ont le temps de faire leur campagne et qui du coup hésitaient à se lancer et qui ont eu le temps de le faire pendant le confinement. Donc du coup, on a été. Tu veux dire qu'ils ont eu le temps de préparer la campagne? Exactement. Et vraiment de se mettre, de prendre le temps de faire tout ce qu'il faut faire pour bien préparer son lancement et pas se louper, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais ce qui compte, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment la préparation, la façon dont on va gérer sa campagne en amont avant de se lancer et pas se lancer comme ça à corps perdu dans une campagne. Ça s'organise, ça se prépare. Et puis par ailleurs aussi, on a beaucoup de sollicitations de la part d'acteurs, que ce soit des commerces, des fonds de solidarité, des associations, vraiment liées à la crise. Où on a à la fois des acteurs de la culture, mais aussi des commerçants, des associations de soignants qui viennent collecter sur KissKiss Bank Bank et qui viennent justement essayer de proposer quelque chose et une action pendant cette période un petit peu particulière. On a travaillé autant avec de très très gros assos qu'avec
des associations qui ont plutôt une action très localisée. Okay. Et donc, ça va de la fondation de la PHP à des plus petites assos qui cherchent à avoir un impact aussi. Donc, c'est une période assez faste. Il se passe beaucoup de choses. Et puis on a essayé aussi, nous, d'apporter notre pierre à l'édifice en proposant pour tous les projets qui ont besoin de collecter des fonds auprès de leur communauté, des conditions tarifaires plus intéressantes où nous, grosso modo, on offre une partie de notre commission, parfois intégralement notre commission selon les projets. Faut dire qu'actuellement, le crowdfunding, c'est très pratique, hein. Ça permet de récolter du soutien, ça permet éventuellement aussi de faire de la précommande, de la prévente. Donc, quand on est une structure, notamment une structure culturelle, et que on peut pas accueillir du public ou alors qu'on peut pas faire fonctionner son business normalement, c'est assez pratique de faire du crowdfunding pour récolter des dons vraiment de soutien. Et puis en même temps aussi proposer quelque chose en vue de la réouverture, en vue d'une activité future. Et donc c'est dans ces deux cadres-là qu'on s'inscrit. Donc ça, c'est vraiment très approprié actuellement. Mais du coup, est-ce que le crowdfunding en ce moment, c'est pas quand même plutôt dédié à des projets entre guillemets de caritatifs, quoi. Enfin, j'ai envie de dire autre que prévente de musique, tu vois, autre que proche du commerce, on va dire. En fait, il y a vraiment de tout. Il y a des projets qui sont des projets artistiques purs et durs, tout simplement parce que les gens ont le temps, et puis surtout, en plus, leur communauté a le temps aussi. L'idée d'une campagne de crowdfunding, c'est d'aller chercher aussi sa communauté, ses fans, ses proches, tous les gens qui soutiennent le projet. Et du coup, évidemment, ces gens-là, ils sont cloîtrés chez eux, donc ou alors ils sont en télétravail. Mais donc, on a plus de chances pendant une phase de confinement, finalement, de réussir sa campagne. Nous, on l'a vu, hein, les projets ont mieux réussi. Au départ, il y a une phase où plus personne ne voulait faire de campagne, ouais. Parce qu'évidemment, suite aux annonces, c'était compliqué. Donc là, à ce moment-là, nous, on a dit « Ok, on met tout le monde en pause. On donne 30 jours pour se réorganiser, repartir. » En fait, on s'est rendu compte que très rapidement, il y avait plein de projets qui réussissaient à collecter et puis qui réussissaient vraiment à mobiliser plus leur communauté parce que les gens étant sur les réseaux sociaux en permanence et connectés toute la journée, ils avaient beaucoup plus l'occasion d'aller sur les pages de campagne et puis c'était beaucoup plus simple d'aller les convaincre. Et puis par ailleurs, sur les projets culturels, on a eu aussi beaucoup de propositions assez intéressantes et innovantes vraiment pendant cette période avec des gens qui faisaient des contenus vraiment soit pour vendre des œuvres ou des choses au profit des soignants ou d'associations ou alors qui proposaient justement des formats un peu différents liés au confinement et donc on a eu des BD, on a eu aussi des artistes musicaux, on a eu pas mal de choses dans ce sens-là, donc ça a boosté la créativité et on l'a vraiment ressenti. Et donc au niveau des projets musicaux, donc ce que tu me dis, c'est qu'il y en a toujours autant en fait, donc les artistes mettent des projets crowdfunding. Alors on va être plus généraliste, on va partir sur ce qu'on fait d'habitude, d'ailleurs les bonnes pratiques du crowdfunding, parce que en général on connaît le mot, on connaît le nom, on sait comment ça marche, enfin on croit savoir, mais en fait non, on sait pas. Alors le crowdfunding, et vraiment j'insiste sur le fait qu'on fait pas une collecte, hein, on fait une campagne. Ça fait partie de sa stratégie de communication. Quand on lance un projet, quand on veut financer un EP, un clip, un album, un projet musical, ou même une tournée, faut vraiment voir ça comme un des outils qu'on a à sa disposition pour communiquer et pour fédérer sa communauté. C'est pas juste une cagnotte, hein. C'est ça qui est important. C'est pas juste une cagnotte. Au contraire, c'est vraiment, faut voir ça comme le point de départ, l'endroit où on va basculer vraiment à de la communication grand public, on va faire parler de son projet, on va teaser sur ce qu'on veut faire, on va commencer à dévoiler un petit peu le projet pour donner envie aux gens. Et donc en fait, ça se prépare bien et c'est pas simplement j'ai quelques chansons en stock écrites dans un coin et puis je vais faire un financement pour pouvoir me payer le studio, etc. La page KissKissBankBank, ça reste une page vitrine, un peu comme MySpace, c'est entre MySpace et Shopify, enfin bon, c'est un ensemble de Exactement. En tout cas, c'est là où doivent se réunir tous les gens Et surtout, en plus, à quoi ça sert ? Ça sert vraiment à faire campagne dans la mesure où si vous faites un crowdfunding vraiment très chouette et bien et avec un bel univers, que vraiment on comprend dans quelle direction vous voulez aller, que c'est vraiment une façon de présenter la démarche artistique aussi, forcément derrière, ce qui va en rester, c'est que vous allez souder une communauté, que vous allez identifier aussi des fans que vous n'aviez pas encore identifiés, et puis surtout, ça permet de montrer qu'il y a eu un plébiscite, en fait. C'est à ça que ça sert, la campagne de crowdfunding. C'est un test, quoi, un peu. Le premier test. Et quand on s'y prépare bien et
avec 11 ans d'expérience, on commence à avoir bien l'habitude pour préparer les porteurs de projet. Quand on s'y prépare bien et qu'on fait vraiment le bon objectif, qu'on identifie bien sa communauté en amont et qu'on fait une belle campagne, c'est pas forcément des heures et des heures de travail, c'est quand même un peu de boulot, mais faut bien le faire, parce que quand on veut porter son projet à vraiment au plus haut niveau, et ben forcément il faut s'en donner les moyens et faire une belle campagne, ça fait partie de tout ça. Et du coup, ce qui va en rester aussi, c'est ça qui est important, c'est que on va aller dépasser son objectif, on va montrer qu'il y a eu un plébiscite, qu'il y a eu vraiment du succès sur la campagne de crowdfunding, et l'idée, c'est vraiment de transformer l'idée qu'on peut avoir du crowdfunding qui est vraiment je fais une cagnotte, je fais la quête autour de moi, en j'ai envie de vous faire participer à un projet qui a du sens, qui a de la valeur, qui est beau, dans lequel j'ai mis tout ce que j'ai, et donc faut bien le faire. Faut bien communiquer, faut vraiment avoir une approche pro dans sa campagne de crowdfunding. Certes, on va aller solliciter ses proches, mais premièrement, ils seront vraiment plus prompts à donner si jamais vous faites bien les choses et que vous préparez bien en faisant une belle campagne. Et puis surtout, ça permet aussi d'aller convaincre d'autres personnes, parce que d'un seul coup, on se rend compte que, à la différence d'un bandcamp ou que sais-je, on se rend compte qu'il y a un paquet de gens qui soutiennent le projet, qui ont mis de l'argent, qui sont investis à vos côtés. Et donc, du coup, ça donne envie. Le monde attire le monde, quoi. Faut être professionnel, quoi, dans la présentation de son projet. C'est la première, ça pourrait être, pour ceux qui sont très indépendants, une première étape de professionnalisation, effectivement, de présentation, en tout cas, de son projet. Bon, tout le monde, j'imagine, voit comment il fait une page de KissKissBankBank, hein. Je vous montrerai. Tiens, je vais faire pour une première fois mondiale partage d'écran. Attention. Je fais des petits coucous. Donc, salut Roger. Salut Julien Vachon, notre photographe officiel. Il est là. Et oui, il dit que c'est un levier de communication. Et il a raison, bien sûr, Julien. Mais lui, il est habitué. Ça fait 10 ans qu'il entend ça. Roger, salut. Zen aussi, que j'ai vu sur le groupe. Et une première petite question d'ailleurs, tiens, de Hugo. Salut Hugo. N'est-ce pas un peu décrédibilisant? Alors voilà, ça c'est ce que tu es très habitué, Mathieu. Décrédibilisant de passer par un site de crowdfunding pour son projet vis-à-vis des pros du public, ça sous-entend que personne n'a voulu du projet? Non. Alors voilà. Alors ça, c'est souvent ce qu'on dit. Alors c'est souvent ce qu'on dit, mais au contraire. Première idée reçue, tu sais, c'est tuto. Première idée reçue. Mais c'est vraiment un classique. Notamment parce que au départ, le crowdfunding a pu être vendu comme ça par certains aspects. Puis qu'on a aussi en mémoire le truc des cagnottes et tout, avec des sites qui vont mettre tous les projets de crowdfunding ensemble, et puis on va avoir des cagnottes pour tout et rien, vraiment les unes à côté des autres. Là, l'idée vraiment, et nous, c'est notre positionnement, hein, dans KissKissBankBank, c'est de promouvoir l'autoproduction, certes, mais aussi la production par des indépendants. On a des labels qui utilisent notre projet, on a des éditeurs, on a plein de professionnels qui vraiment se servent du crowdfunding comme une manière de pré-commercialiser un certain nombre de projets. Et donc, premièrement, c'est pas uniquement pour des indés autoproduits. Et puis, deuxièmement, au contraire, quand on s'y prépare bien et qu'on montre qu'on va vraiment chercher une communauté qui est existante et qu'on réussit à faire son projet de crowdfunding, ça balaye le doute. Voilà, si vous arrivez à soulever 200 contributeurs et qu'il y a 200 personnes qui achètent votre EP ou votre vinyle ou ce que vous financez, bah, dans la tête d'un pro, en réalité, ça veut dire qu'il y a un public. Et c'est pas un pari sur un truc qui a l'air de pouvoir fonctionner. C'est vraiment, on sait y faire, on a une communauté, on sait aller la chercher. Et la preuve, c'est qu'on a une campagne de crowdfunding où on a dépassé notre objectif. On a fait plus de pré-ventes que prévu, etc., etc. Et ça fait partie de l'organisation de la campagne. Hein, c'est ce qu'on appelle la cartographie de communauté. C'est un nom très savant, mais en réalité, c'est simplement identifier toutes les personnes à qui on va pouvoir parler de son projet pendant la campagne, bien organiser la communication auprès d'eux, et puis aller les chercher. Et ça permet de pas se planter sur l'objectif, de le dépasser largement, de faire une belle campagne de précommande. Et donc, ce qui reste de votre campagne derrière, c'est on avait besoin de temps, on a eu plus, et donc c'est un projet qui fonctionne au-delà des espérances qu'on avait au départ. Et donc, en fait, on retourne le message. On n'est plus du tout dans « on a besoin d'argent parce que personne ne veut du projet ». On est complètement dans « on a une communauté qui soutient le projet, donc on peut se permettre de la mobiliser ». Quand bien même, on serait signé et on aurait... Je veux pas balancer, mais il y a beaucoup de... Alors, qu'est-ce qu'être signé ou pas signé? Moi, j'ai toujours du mal avec ça, parce que c'est signé... Est-ce qu'il faut être chez Universal pour être considéré comme être signé? Bon, enfin, en tout cas, on peut avoir un éditeur et un producteur, quelle que soit la taille, et être avec son projet en crowdfunding. Moi, je veux pas balancer, mais j'en vois plein des projets, et même parfois, même chez des gros éditeurs, où effectivement, l'artiste va faire son crowdfunding parce que... Ça n'a rien à voir avec le. Faut voir ça comme une prévente en fait, donc comme une boutique, puisque
une page, comme je vais essayer de faire un partage d'écran. Attention, tu es prêt, Mathieu, pour le partage d'écran? Je suis pas sûr d'être prêt. Les gros moyens de l'atelier. De l'application, attention, partager. Non, ça marche pas, tu vois. Bah ouais, c'est trop compliqué. Donc, en tous les cas, un projet, effectivement. Attends, si je peux partager ici. Un projet, qu'est-ce qui se bang bang? Tiens, on va regarder. Tu vois mon écran? Moi, je me vois plus. Hein, donc, voilà. Est-ce que tu vois mon écran? Tu vois mon écran. Alors d'ailleurs, tiens, est-ce qu'on peut te mettre toi tout seul avec une avec la page ou pas? Bon, ben on va nous mettre sur le côté comme ça. Allez, waouh, première mondiale. Donc effectivement, bah tiens, Anaka, une artiste qu'on connaît d'ailleurs, super artiste, Anaka. Donc elle est sur effectivement son projet, il est en cours. Elle a 55 contributeurs. Donc voilà, il lui reste 2 jours. Oulala, il faut y aller là. Ah ben ça y est, elle a fait 100%. Bon, elle s'est réglée. Alors effectivement, ça ressemble pour moi qui est connu, hein, j'ai connu Minitel, mais j'ai aussi connu MySpace, ça ressemble beaucoup à la page MySpace quand même. Donc en fait, il y a toute une phase de présentation, une bio. Et surtout, ce qui est important, c'est ce qu'on voit défiler au fur et à mesure, c'est sur le côté ici, les contreparties, hein, c'est ça le plus important, c'est le nerf de la guerre. Et c'est là que ça fait penser à une boutique, quoi, plutôt qu'une tirelire ou à une cagnotte litchi. Effectivement, là, on a pour 10 euros, pour 20 euros… pour 50 euros, pour 100 euros. Alors, c'est vrai que ça fait un peu commercial comme ça, mais après tout, bon, quand on met son CD dans un bac, j'ai envie de dire, il y a aussi un prix dessus, quoi. Donc, et en plus de ça, j'ai envie de dire, on va vraiment chercher là, dans l'aspect communautaire et le supplément d'âme qui va avec le projet, parce qu'on peut se permettre, au-delà des canaux de distribution classiques qu'on va avoir, d'aller chercher des gens sur des éléments un peu différenciants, des trucs un peu exclusifs. Et donc là, on peut vraiment jouer. C'est pour ça que je disais qu'il faut voir ça comme une partie de sa stratégie de communication sur un lancement ou sur une phase de précommande. Parce qu'en fait, ces contreparties, il faut vraiment voir ça comme un jeu, s'amuser avec et proposer des trucs fun qui vont plaire à la communauté, qui vont leur donner envie de s'investir et puis qui vont être un petit peu exclusifs, originaux, etc. Oui, c'est ça, c'est que ça va au-delà de la boutique. Hein. La boutique, je veux dire, au-delà du boulanger avec sa baguette traditionnelle, etc. Il faut vendre peut-être effectivement des choses traditionnelles, mais il faut aussi des goodies, des surprises et puis un peu des séries limitées, hein, c'est ça, des choses vraiment uniques pour cette opération-là, quoi. Complètement jouer le jeu de l'exclusivité, en fait, c'est vraiment la clé des contreparties. Hein. Certes, il y a le côté, on fait un shop et pendant un certain nombre de jours, on va faire des précommandes sur un CD, sur un vinyle, etc., sur des places de concert. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est vraiment l'occasion d'essayer de faire monter le panier moyen plutôt que de vendre votre CD ou autre chose à la fin d'un concert à 10 balles. En fait, là, on essaie de faire des paniers moyens plus élevés avec des propositions plus intéressantes, des packs merchandising, tout ce qu'on peut imaginer. En fait, hein, tous les cas d'école ont déjà été faits. Et ça permet aussi de récolter plus de fonds, d'aller chercher sa communauté avec des packs plus intéressants, exclusifs, dédicacés, avec des concerts privés. On peut vraiment tout imaginer, il faut jouer avec ça. Et puis, il faut se dire que c'est aussi une manière de faire en sorte que ces gens qui, peut-être tout simplement, auraient attendu que vous commercialisiez le projet, en fait, d'un seul coup, ils vont vous soutenir avec un don plus élevé. Ils vont aussi témoigner vraiment de tout le soutien qu'ils ont dans le projet. Et ça fonctionne vraiment avec une mécanique d'exclusivité. Et ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que le crowdfunding, c'est aussi vraiment fait, vous l'avez vu, avec le principe de l'objectif. Si on n'atteint pas l'objectif, tout le monde est remboursé. Il y a une durée limitée, etc. Le but, c'est de créer de l'urgence. Quand on commercialise son projet sur partout ailleurs, il n'y a pas cet effet d'urgence. Ça sort, t'achètes ou t'achètes pas. Là, au contraire, vous allez vraiment. Enfin, l'idée, et c'est aussi là-dedans qu'on vous accompagne, hein, c'est créer un jeu avec les contributeurs, faire en sorte qu'ils soient motivés, qu'il y ait des espèces de petits défis. Et en fait, ça fait une phase forte de communication et de resserrement des liens avec la communauté. Et c'est vraiment essentiel, en fait. C'est comme ça qu'on constitue sa fanbase, qu'on identifie les gens les plus impliqués. Et derrière, c'est ce noyau, ce cœur de fanbase. C'est ce qui fait toute la force des projets musicaux et qui permet de vraiment faire en sorte qu'ils se déploient et qu'ils fassent le buzz derrière et que ça monte. Donc, aller chercher les 100, 200, 300 personnes qui vont être au cœur du financement du projet et qui vont donner un soutien financier, en fait, ça n'a vraiment pas de prix parce que derrière, outre le fait que ça montre que vous avez un plébiscite sur la campagne, par ailleurs, ça permet aussi d'avoir ce cœur de cible avec qui vous allez proposer des contreparties plus intéressantes, avec qui il va y avoir un lien plus resserré et qui derrière sera un peu toujours derrière vous, quoi. C'est les fameux fans de la première heure, ils sont là, mais les identifier, c'est essentiel parce que c'est eux qui donnent la force à un projet d'aller plus loin.
Et Hugo demande aussi, d'ailleurs, c'est intéressant de différencier. On avait d'ailleurs Michael Goldman la semaine dernière de Manager Company. Donc, est-ce qu'on peut donner une contrepartie, un pourcentage des revenus aux contributeurs comme le faisait My Major Company? Alors, pas sur KissKiss. Sur KissKiss, on est vraiment sur… là, on entend des aspects un peu légaux, un peu chiants, mais c'est une mécanique de don. On donne, on a une récompense. Terminé, et ça va pas au-delà. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de notion de production, de coproduction, voilà, quoi. De royalties, etc. C'est vraiment, on va chercher du soutien et en échange, on essaie de proposer des contreparties cool en précommande. Mais ça s'arrête là. Et c'est la nature de ce don, c'est de cette contribution, de cet apport financier, c'est vraiment un don. D'ailleurs, si vous avez des assos reconnus d'utilité publique pour porter vos projets, vous pouvez aussi passer par ces assos et puis potentiellement faire de la défiscalisation et aller chercher aller chercher des boîtes, aller chercher d'autres assos, enfin pas des assos du coup, mais des gens qui veulent faire des dons financiers. Ah ouais, c'est soumis à défiscalisation, quoi. Enfin, l'espèce de c'est 60%, non, c'est pas ça, 60%. Ouais, exactement. Et ça, pour le coup, ça concerne surtout des projets qui peuvent faire du mécénat. Donc, si vous avez déjà une structure associative qui vous soutient, qui veut porter le projet pour vous, là, ça permet de le faire. Mais si on a un projet musical qui a des velléités, je sais pas, humanitaires, écologiques ou autres, ça pourrait très bien passer. Si on a un projet, simplement avoir l'association qui va avec, parce que c'est vraiment. Et le mécénat aussi, évidemment. Mais... Exactement. La capacité de faire du mécénat est liée à l'association, enfin le porteur de projet officiel de la campagne. Même si c'est pour un artiste, ça peut très bien être une association qui officiellement porte la campagne. Et là, du coup, ça rend la défisque possible. C'est un truc auquel on peut penser. Après, sur des projets musicaux, c'est pas forcément le truc qu'on fait le plus, mais je pense s'il y a des gens qui nous écoutent et qui organisent des événements, qui ont plutôt ce genre d'activité ou qui ont des lieux, des lieux associatifs, ça peut vraiment être une manière d'aller chercher des fonds auprès de la communauté et surtout en ce moment, je pense qu'il y a pas mal de gens qui cherchent un peu des solutions pour pérenniser des activités qui n'ont pas pu avoir lieu dans le cadre de la culture. Ouais, t'as vu des projets comme ça qui débarquent, qui sont vraiment clairement. On n'a pas vu des projets, on a fait un appel à projets carrément, donc on en a eu beaucoup. Carrément. Il y a des disquaires, il y a des librairies, il y a des festivals, il y a plein de choses. Après, il y a aussi des projets qui ont nécessairement été annulés parce qu'ils finançaient un événement et donc l'événement n'a pas pu avoir lieu. Ou alors, ça a été repoussé, ils ont trouvé une solution avec les contributeurs. Puis ça, c'est un truc sur lequel on accompagne aussi les porteurs de projets. On essaie de voir avec eux la solution qu'ils peuvent trouver, en tout cas à la hauteur de nos moyens. Mais oui, il y a beaucoup de projets qui sont arrivés et qui continuent d'arriver autour de la crise sanitaire aussi, parce que c'est un enjeu aujourd'hui de pérenniser des activités quand on est producteur, quand on est une association qui fait des choses et qu'on a envie de pas jeter l'éponge. Alors moi j'ai deux questions. Ça concerne le financement. Déjà, qu'est-ce qui est recommandé de financer via le crowdfunding? Parce que je crois que contrairement à il y a 10 ans où on faisait tout financer, je crois que maintenant il vaut mieux faire financer les cerises sur le gâteau, enfin ou en tous les cas tu vas nous expliquer. Et puis le budget moyen quoi que tu recommandes, histoire de le dépasser d'ailleurs. Mais voilà. Ok, alors ce qu'il faut faire financer. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de règles. Il faut simplement mettre en avant un aspect où les gens se rendent compte que ça a un coût. Et il faut aussi garder à l'esprit que les campagnes qui fonctionnent le mieux, pas toutes les campagnes, mais les campagnes qui fonctionnent le mieux, ce sont les campagnes qui font vraiment une mécanique de précommande avec quelque chose à offrir en échange. Et donc, dans la musique, évidemment, on parle de vinyle, on parle de CD, on parle de merch, on parle de places de concert, et tout ça, on peut le faire dans des paquets. Et ça me permet de venir à la deuxième partie de la réponse, qui est que, en réalité, le montant moyen qu'on peut espérer lever, il dépend de deux choses. Il dépend du don moyen qu'on va réussir à récolter. Si tout le monde donne 50 euros, on ne récolte pas la même chose que si tout le monde donne 20 euros, c'est l'évidence. Et donc, du coup, il dépend de ce don moyen et il dépend du nombre de personnes qu'on va réussir à convaincre. Donc, c'est pour ça que je parlais. Mais comment l'estimer tout ça, tu vois? Comment on peut l'estimer? Voilà. Et donc, justement, nous, l'accompagnement, il consiste aussi à ça, à faire en sorte que. Alors, oui, il faut préciser quand même que vous lâchez pas les gens dans la nature. Donc, il y a un être humain au bout du fil ou au bout de l'écran, d'ailleurs, Mathieu, ou autre, d'ailleurs. En tous les cas, il a toute sa team. Donc, il y a un coach, effectivement, qui gère les projets et qui sont disponibles pour déjà avant de valider le projet. Et puis, pour arriver au bout de la campagne. Donc, alors, dis-nous, comment on évalue un peu son auditoire? On essaie de faire des packs un peu sympas pour faire monter le don moyen. Voilà, si on compte commercialiser un vinyle à 15 balles, en fait, il vaut mieux faire un pack à 30 ou 35 avec un vinyle, un showcase et puis un goodies fun.
ça vous coûte peut-être moins cher à produire et puis ça vous fait en sorte que les gens, quand ils sortent leur carte bleue, c'est pas pour 15 euros, mais plutôt pour 30. Oui, puis il faut quand même penser souvent un petit détail technique, mais à la marge. Parce qu'évidemment, si tu demandes 1500 parce que ça te coûtait 1500, le but c'est de, bon, c'est pas de se faire du blé à, mais en tous les cas, c'est de pas, ouais, c'est déjà de pas être déficitaire et puis avoir vraiment l'argent dont tu as besoin. Si tu vends des parce que je l'ai vu ça, tu vends des vinyles et tout, puis tout passe dans le budget. Et en fait, tu avais fait un crowdfunding pour la promo et tu as plus le blé pour payer l'attaché de presse parce que finalement, c'est à prix coûtant, quoi. Donc à prix coûtant, c'est pas possible. Exactement. Et donc du coup, il faut bien réfléchir à ça dans la partie montage du budget. Et une fois qu'on a un peu ces packages, où nous, on va vraiment vous recommander d'essayer de faire un don moyen le plus élevé possible. Après, faut pas non plus espérer que les gens mettent 500 euros à chaque fois, hein, évidemment. Mais alors, il y a des contreparties à 500 qui sont souvent ça, des lives. On peut vraiment imaginer des lives, des soirées privées. Ouais. Ah ouais. Complètement. Par contre, sur le don moyen, faut essayer de se rapprocher du don moyen qui est celui de la plateforme, qui est autour de 63 euros. Nous, ah ouais, quand même. Sur des projets musicaux, c'est un petit peu moins, justement, parce que souvent. Les musiciens sont plus pauvres. c'est surtout surtout qu'il faut aussi se positionner par rapport à un marché, c'est-à-dire que sur sa campagne on vend le produit peut-être un petit peu moins cher, ou alors on le vend avec un pack qui est exclusif qui permet de faire monter le prix du pack, mais on peut pas non plus permettre. Et donc c'est combien la moyenne sur la musique? Je crois que c'est balles, 30 balles de 30-35 euros, ouais. Et une fois qu'on sait ça, il faut construire un pack, c'est pas mal, surtout que ce qui va compter derrière, c'est de réussir à le vendre au plus de monde possible. Et en fait, ces gens-là, quand on a bien identifié sa communauté, qu'on a fait cette cartographie, qu'on a bien prévu ses relais, qu'on a vraiment essayé de construire une campagne de communication autour de la campagne de crowdfunding, je vise le mot vraiment de campagne, c'est important de garder ça à l'esprit, on identifie un petit peu toutes les personnes qu'on va pouvoir aller solliciter. Le nombre de personnes qu'on va pouvoir solliciter multiplié par le don moyen, vous avez à peu près ce que vous allez pouvoir récolter sur la campagne. Du coup, parfois, la réponse à ça, c'est de se dire, mais en fait, moi, ça me donne pas suffisamment pour financer le projet et ce dont j'ai besoin. C'est possible, mais il faut garder à l'esprit que le crowdfunding, c'est un complément budgétaire et c'est jamais tout. Ouais. Si on travaille dans des conditions professionnelles, en fait, vous le savez, hein, des répétitions, ça se paye, des studios, ça se paye, des musiciens, ça se paye, tout se paye. Et donc, un producteur, en fait, quand il monte un budget pour un album ou que sais-je, en fait, il y a plein de sources de financement et le crowdfunding, ça répond rarement à l'intégralité du financement. Après, quand on autoproduit, souvent, on a plein de ficelles, on a des gens qui nous aident gratos, etc. Il y a plein de manières de faire. Mais c'est vrai que c'est important ce que tu dis. C'est vrai qu'il faut, si le but, c'est de faire financer tout le projet, c'est pas le bon moyen. Et d'ailleurs, c'est vrai que, comme dit Mathieu, c'est pas très professionnel, puisque pour les professionnels justement qui demandent des aides et des subventions, quand vous avez une structure, en général d'ailleurs, vous êtes subventionnable à hauteur de 50%. Mais il faut avoir l'autre 50%. Et en fait, c'est vrai que, et d'ailleurs, on subventionne souvent des projets dont on estime que sans subvention, ils pourraient aussi exister. Donc c'est vrai que si le crowdfunding est une raison sine qua non pour que votre projet existe, c'est un peu chaud, quoi. On va dire que c'est pas chaud, mais ça dépend aussi de ce que vous avez vous comme ressources, etc. On a aussi des projets qui arrivent à tout faire par le crowdfunding parce qu'en fait ils font tout eux-mêmes. Et puis c'est vraiment des pressages, des choses comme ça qui coûtent de l'argent, c'est des impondérables. Même quand on essaie de tout faire en autoproduction, il y a des choses sur lesquelles on peut pas faire l'impasse. Évidemment, du coup, il faut croiser ce budget-là avec la capacité qu'on peut aller chercher en crowdfunding, sachant que la méthode, c'est pas de se dire bon, il faut absolument que j'atteigne X milliers d'euros pour pouvoir vraiment faire le projet dans les conditions que je veux. C'est plutôt de dire je mets un palier qui est vraiment minimum où ça me permet de lancer quelque chose et je vais essayer d'aller plus loin. Il faut des paliers, hein, c'est ça, il faut mettre en place des paliers. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on organise le plébiscite. Si on dit on peut faire quelque chose avec 3000 euros, par contre, on aimerait vraiment avoir 5000 pour faire mieux, et puis si on a 10 000, on pourra vraiment faire un truc super fat. En réalité, on va. Et évidemment, derrière, qu'on s'est organisé, qu'on a bossé sa campagne, qu'on a préparé sa communauté, en fait, on va atteindre rapidement 3000 euros. Et très vite, on va pouvoir enclencher une communication beaucoup plus positive autour d'un deuxième palier. Et ça déclenche de nouveaux dons, tout simplement parce que quand ça a fonctionné, les gens ont envie de faire partie de l'aventure. En fait, c'est vraiment comme au restaurant, quoi. Je passe devant un resto, il y a personne dedans, je me dis que c'est dégueulasse. Si je passe devant un resto et que je vois que les gens font la queue, je me dis que ça doit être super bon. Donc c'est un truc un peu gaillard. Bon, sachant que parfois c'est quand même dégueulasse, mais bon, c'est pas. Sachant que parfois c'est quand même dégueulasse. Des fois, c'est juste qu'ils sont bons. Tu t'es fait avoir par le nombre de personnes. C'est parce que c'était pas cher, en fait. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est ça, vaut mieux faire envie de pitié. Donc évidemment, exactement, il y a une image. Voilà. Il y a Hugo qui demande aussi, et ça c'est assez simple, pour les campagnes à l'international, traduction. Alors, traduction, nous, le site, il est traduit
en français, en anglais et en néerlandais. T'as vu? Et on fonctionne dans toute la zone SEPA avec des cartes bleues. Et pour tout l'international, en fait, on va simplement ajouter PayPal au projet. Et donc, si vous avez des potes aux États-Unis ou partout ailleurs dans le monde, il y a quelques pays où il n'y a pas PayPal, mais ils sont assez rares. Dans ces cas-là, on va passer par deux prestataires de paiement, tout simplement. Donc, il y aura des gens qui pourront payer en carte bleue, et puis d'autres qui ne seront pas forcément dans la zone euro, qui pourront payer avec PayPal. Par contre, il n'y a pas de traduction automatique sur le site de la page projet. Il y a une traduction des éléments, les boutons du site, etc. Mais la traduction, c'est à vous de la faire, tout simplement parce que quand vous êtes dans une démarche artistique, il faut bien maîtriser. Oui, on recommande de faire deux versions, c'est ça? Et voilà, il vaut mieux faire deux versions. Et puis après, le site s'affiche automatiquement dans la bonne version. Voilà. Si jamais vous êtes, par exemple, italianophone ou hispanophone et que vous avez aussi une communauté à aller chercher là-bas, vous pouvez aussi mettre deux versions sur la même page. Ça fonctionne très bien, on a l'habitude de voir ça. Et là, ouais, ça vous permet de parler un peu à tout le monde. Donc, n'hésitez pas aussi à aller chercher votre public partout où il est, et à proposer ces traductions. C'est aussi une bonne manière de faire en sorte que tout le monde se mobilise et d'inclure toute la communauté. Alors, dans les sources de revenus, effectivement, le crowdfunding, quand vous faites un budget, alors c'est important de faire un budget, c'est important que le projet puisse exister, même si certaines parties du budget, comme le crowdfunding, ne sont pas entièrement réunies. Donc, voilà. Moi, ce que je recommande en général, c'est avec le budget, donc vous avez deux sources importantes qui sont le crowdfunding, effectivement, et aussi, que je vais vous mettre en lien, c'est l'autoprod SACEM. Donc, c'est comme le crowdfunding, c'est pas systématique. Il y a des commissions, il y en a à peu près une par mois, sauf l'été. Et en fait, vous verrez, c'est 4 500 €, ni plus ni moins. C'est pas automatique, hein, donc il y a des conditions. 10 fois par an, et 70 projets sont retenus chaque année. Donc, on va dire à peu près une fois par mois, sauf juillet et août. Et puis, il y a très peu de conditions. Il y a un nombre minimum de titres, c'est-à-dire au moins 5 titres. Au moins 5 titres, donc c'est important. Souvent, d'ailleurs, quand on fait le choix des titres, de se dire est-ce que j'en mets 4 ou 5, moi, je recommande quand même plutôt 5. C'est dommage quand même de ne pas faire l'appel autoprod SACEM. Et évidemment, il faut que ce soit un premier ou deuxième autoprod. Hein. Donc, évidemment, si vous êtes installé depuis 15 ans et que vous en êtes à votre 20e album, c'est pas le cas. Mais là, on sait qu'on parle aussi à des jeunes artistes. Donc, effectivement, crowdfunding, autoprod SACEM, c'est deux sources de revenus importantes. Bon, l'autoprod SACEM… On travaille aussi avec la SACEM, avec un dispositif qui, pour les clips, en fait, ils ont… on est partenaire de la SACEM, et puis je crois qu'un peu plus tard, il y a aussi Emeric de Clippy qui va nous rejoindre. On a tout un réseau de partenariats dans la musique. Hein. Ça fait partie aussi des avantages qu'on essaie de proposer pour les gens qui viennent porter des projets sur KissKiss. On n'est pas uniquement sur de la technique de com, etc. Il y a aussi l'environnement qui est autour de KissKiss. Et donc, on est en partenariat avec la SACEM. Ils choisissent un clip par mois pour lequel ils vont donner 1 000 €. Donc ça peut être intéressant si vous avez un projet dans lequel il y a aussi une part de l'investissement qui va à la production du clip. Donc ça, c'est à bien garder à l'esprit. Et on a aussi un deal avec Spin Up pour la distribution. On travaille aussi avec Groover, avec un petit peu de promo sympa pour faire la promo de ce qui a été financé sur KissKiss. On a aussi Clippy, avec qui on travaille pour la partie promotion. Donc, tout ça, c'est aussi un environnement qui est sympa quand on est à la phase de préparation de ton projet. Voilà. Et on a essayé de faire une petite boîte à outils pour les musiciens qui font de l'autoprod. Il y a pas mal de petits avantages assez sympas. Vous pouvez trouver ça facilement sur le site de KissKiss. Je vais vous mettre aussi le site que je mets tout le temps, que je trouve super, c'est monprojetmusique.fr, donc, qui répertorie les 128 aides et subventions disponibles. Évidemment, c'est mieux si vous avez une structure, mais une structure, ça peut être juste une association, juste parce que c'est assez simple quand même de monter une association, même en ligne uniquement aujourd'hui, hein, plus besoin d'aller à la préfecture de police. Donc, effectivement, monprojetmusique.fr, vous avez toutes les aides et subventions. Et voilà, tout ça, ça fait partie d'un ensemble de financements, donc crowdfunding, subventions, aides. Il y a une petite question de Hugo. Combien de fans solides ? Alors, qu'est-ce que solide ? A-t-on besoin au minimum pour lancer sérieusement une campagne en moyenne ? Alors, ouais, la définition du fan solide, je ne sais pas si c'est. Ouais, tu veux dire riche, en fait. Vous portez pendant les slams, c'est ça ? Non, c'est-à-dire blindé, quoi. Un fan blindé. Fan solide, on va dire des gens dont on est sûr qu'ils vont donner. Mais comment est-ce qu'on est sûr qu'ils vont nous donner ? Parce que c'est forcément une notion un peu compliquée de savoir si les gens vont mettre la main en porte-monnaie, etc. On faisant une belle campagne, parce que si on est très convaincant qu'on a un projet bien léché, les gens ont plutôt envie de se mobiliser, et en leur proposant des contreparties cool.
des contreparties early bird avec un nombre limité pour la famille et les potes, en ayant vraiment une approche un peu marketing de son projet où on va vraiment proposer des trucs qui sortent de l'ordinaire, on se creuse un peu, on essaie de, et ça c'est une bonne manière de convaincre les gens. En fait, quand on a une offre qui est, quand on a une page et une campagne qui est belle, qu'on a bien travaillé, qui est vraiment qui est pas uniquement faite avec les moyens du bord, mais qui est aussi bien pensée dans l'univers graphique du projet, etc., qu'on s'est donné sur la vidéo, etc., ça a plus tendance à convaincre les proches dans un premier temps, et puis tous les autres par la suite. Et en fait, ça rejoint en fait la stratégie de campagne, hein, c'est que quand on fait cette cartographie de communauté, à laquelle je tiens beaucoup, on identifie les gens, mais on identifie aussi la distance un peu qu'on a avec eux. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont être OK pour nous soutenir tout de suite? Est-ce qu'on peut leur parler du projet en amont, les mettre dans les petits papiers, ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu? Et en fait, de manière générale, c'est un peu comme, je reviens sur ma métaphore du restaurant. J'ai sorti les moyens. Ah là là. C'est les cercles. C'est grosse prod à l'atelier de Cédric. Hein. Et c'est les fameux cercles, exactement. C'est que le cercle 1, c'est les proches. Il y en a trois. Le 2, c'est celui qui est intermédiaire, celui que vous allez chercher par votre cercle 1. Et puis le cercle 3, c'est quand vous commencez à aller choper des influenceurs. Le cercle 1, les proches, la famille, les super fans, les gens qui sont tout le temps à vos concerts, les gens qui dont vous êtes sûr qu'ils vont vous acheter. Les ex aussi, du coup. Alors là, ça dépend comment on s'est quitté. Voilà, c'est ça, bien sûr. Mais sinon, c'est le cercle 1, les ex. Encore une fois. Un ou deux. Sinon, c'est le cercle 0 et il faut pas du tout leur parler. Ok. Bon, en tout cas, un, c'est super proche. C'est des gens dont vous avez le numéro de portable, que vous appelez, votre famille. Et eux, comment on leur parle? On leur parle vraiment en amont de la campagne, on leur explique. On leur parle du projet, on leur montre des trucs en amont, et en fait on leur fait comprendre aussi qu'on va les solliciter rapidement dans les premières heures du projet. L'objectif de Cercle 1, c'est en fait de les chercher sur un lancement qu'on appelle officieux, c'est-à-dire qu'on ne communique pas sur Facebook, on ne fait pas une newsletter, on ne balance pas des vidéos partout, on garde tout ça en privé. Par contre, on a identifié la cinquantaine ou la centaine de personnes à qui on va passer un coup de fil, à qui on va envoyer un texto, vraiment de manière perso. Rien de public tant qu'on n'est pas un minimum de pourcentage. Hein. Parce que le monde sinon, est sur... Exactement, parce que derrière, quand on publie sur Facebook et qu'on a 0%, en fait, les gens se disent « Waouh, ça marche pas !» Alors que si on a déjà fait ce boulot en amont, tout le monde se dit « Ah, dis donc, ils viennent de publier le projet et il y a déjà X contributeurs, c'est vraiment top, ça fonctionne pour eux. » Du coup, ça donne tout de suite plus envie. Et c'est pour ça que si un jour, vous quittez la musique et que vous allez dans la restauration, vous faites un concept entre les deux, ce qui pourrait être assez marrant d'ailleurs, eh ben, faites les premiers jours de l'ouverture d'un restaurant, il faut absolument inviter sa famille, ses amis. Et des potes, bien sûr. Comme ça, il y a du monde. Et puis, les gens qui passent devant se disent, ça doit être bon. Si ça vient d'ouvrir et qu'il y a du monde, c'est que c'est bon. Voilà. Donc, il y a une grosse part de psychologie. Hein, exactement. Il faut vraiment jouer comme ça. C'est du marketing, c'est des techniques un peu classiques. On crée l'effet boule de neige, en fait. Quand on veut faire un buzz, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Ça fait alors, du coup, là, c'est intéressant parce qu'Hugo, il disait, est-ce qu'il existe des projets qui partent vraiment de zéro sans communauté, qui se font connaître sur le moment de la campagne, ou est-ce vraiment impossible? C'est impossible, ça. C'est impossible. Une campagne, ça se prépare, il faut avoir. C'est impossible, c'est partir dans les mauvaises conditions, quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors, il faut avoir un plan de com hyper béton et réussir à faire en sorte que de faire le buzz via la campagne, mais. Ouais. Enfin, ça se travaille en amont. C'est pas recommandé en tout cas. Par contre, c'est bien de commencer à faire ce boulot-là en se disant un jour je vais faire une campagne et je vais mettre les gens à contribution, tous ceux que j'ai commencé à agréger. Nous, c'est pas rare qu'on commence à discuter avec des porteurs de projets qui n'ont pas du tout de communauté. Par contre, on file des conseils pour la constituer. Comment est-ce qu'on fait pour faire monter son Insta? Comment est-ce qu'on fait pour faire monter sa base mail? Et d'ailleurs, la base mail, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vraiment un truc important. Hein. Les projets pro. C'est le deuxième cercle. C'est le deuxième cercle. En fait, c'est cette base de mail, il faut vraiment essayer de la constituer quand on monte son projet, parce qu'en fait, c'est ce qui a le plus de valeur, les mails. La communauté Facebook, c'est bien parce que ça a de la gueule et tout, ça veut dire qu'on a du monde qui suit, etc. Mais c'est pas le seul objectif. Si on a une bonne newsletter qu'on entretient tous les mois, tous les deux mois. Donc la phase 2, c'est la newsletter. La phase 1, c'est les proches, donc c'est plutôt soit vous allez chez eux, vous leur volez leur carte bleue, ou vous volez dans le porte-monnaie de maman, etc. Bon, ça, c'est la phase 1. La phase 2, c'est la newsletter. Et ça, c'est hyper important parce qu'effectivement, la newsletter, il y a des retombées. Et en fait, la phase 2, c'est newsletter, réseaux sociaux, soirée de lancement. En fait, une fois qu'on a collecté auprès d'un cercle 1 qui est proche du projet, bah, du coup, on est crédible pour aller voir d'autres gens. On dit, regarde, on a déjà des fans. Donc là, on peut commencer à publier, à faire des newsletters, à faire des réseaux sociaux, à faire de l'Instagram. Et je fais une parenthèse sur la newsletter, vraiment. Outre la campagne de crowdfunding, c'est utile dans la com en général pour son projet.
ça a vraiment plus de valeur que des gros réseaux sociaux, parce que vous savez que si vous avez des pages un peu importantes sur les réseaux, bah, il faut payer des publications pour qu'elles atteignent plus de monde et l'intégralité de votre fanbase. Et donc, en fait, le mail, ça évite ça, quoi. Si vous avez une base qui est clean, vous avez vraiment que des gens qui sont inscrits à votre newsletter parce que le projet les intéresse. Bah, des gens qui sont touchés, ouais. Exactement. Les gens, ils vont ouvrir les mails, ils vont regarder. Et donc, ça, en fait, en amont d'une campagne de crowdfunding, c'est essentiel de faire l'acquisition d'une bonne base et tout, d'aller chercher des gens, de inscrivez-vous et donc de jouer sur les contenus, en fait. C'est pour ça que c'est une campagne de com. Parce qu'on fait des contenus, on essaie d'intéresser les gens, faut pas les saouler avec toujours le même message, etc. Et faire monter une newsletter et l'entretenir, ça fait vraiment partie, je pense, du travail un peu de bonne hygiène, si on peut dire, pour entretenir sa communauté et faire en sorte qu'il soit réactif quand on veut lancer de nouveaux trucs sur son projet. Et ça, on n'y pense pas toujours parce qu'on est vraiment focalisé sur les réseaux sociaux, mais en réalité, ça a plus de valeur. Et il y a des campagnes, et en particulier des projets artistiques, qui font des campagnes sans réseaux sociaux, parce qu'il y a aussi des artistes qui n'aiment pas ça, qui veulent pas ça, qui veulent pas jouer le jeu de faut entretenir tout ça, qui n'ont pas du tout cette démarche-là. Par contre, une bonne newsletter qu'on shoot une fois tous les mois, tous les deux mois, pas que ce soit forcément trop fréquent, mais que ce soit bien qualitatif, bien achalandé, bah en fait, ça a beaucoup plus de valeur et ça met beaucoup plus en avant votre projet potentiellement que essayer d'entretenir un Facebook avec rien et rien de plus. Bon, Facebook, de toute façon, maintenant, ça fonctionne comme un compte publicitaire. Hein, c'est Facebook Ads, évidemment. Sinon, c'est 5-10% des gens qui voient de votre page, qui voient le. Ouais. Bon, enfin, en fonction du succès de votre poste, évidemment, ça peut monter. Hein. Je ne vais pas dire qu'ils sont tous à 5-10, mais en tous les cas, en organique, c'est très faible. Ça peut avoir le coût de payer. Ça dit que les budgets sont assez faibles hein, sur Facebook. Donc, on peut avoir de la visibilité pour 3, 5 balles, 10 balles. Voilà, c'est pas non plus les ça a moins de valeur qu'une bonne base mail bien entretenue. Franchement. Il y a marqué sponsorisé, etc., etc. Et puis, évidemment, pour du crowdfunding, quelqu'un que tu ne connais pas, c'est vrai que c'est compliqué de voir une pub et de dire. Tiens, lui, je vais lui filer 10 balles ou 20 balles pour son projet, voire 50 ou 100 euros. Quoi. Alors, je le vois qui s'impatiente en coulisses. Il a dû suivre l'émission depuis le début. Il est là, je le vois. Aymeric Monin, c'est notre invité surprise. Aymeric Monin, il a bien écrit son nom. Oui, c'est bon. Donc, du coup, je vais pouvoir le mettre. Attention, t'es prêt, Aymeric? Je te téléporte. Youhou! Salut, Aymeric. Salut tout le monde. Salut, Mathieu. Salut, Cédric. Vous allez bien? Ouais, ça va. Ça va, vous va. Ça alors, fait plaisir Aymeric de voir Mathieu. De Clippy. Clippy, donc vous travaillez déjà. Attends, comment on met les doigts d'ailleurs? On met les doigts comme ça, là, tous les deux ensemble déjà. C'est évident, hein, c'est un peu là. Tous les deux là ensemble. déjà, donc en fait, effectivement, toi, Aymeric, donc tu es chez Clippy. Clippy, on a vu ça avec Michael Goldman la semaine dernière, mais tu peux nous remettre une petite couche si tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Alors Clippy, déjà, donc je vais, enfin pour expliquer l'origine du projet, c'est donc une filiale de My Major Company, une filiale de Clippy qui est elle-même une filiale de My Major Company. Voilà. Donc en fait, c'est un outil qui va permettre aux artistes donc de gagner en audience sur leur clip, puisqu'on sait qu'aujourd'hui un artiste, il dépense de l'énergie, du temps, de l'argent dans la production de clips, et on voit de manière régulière que c'est très difficile d'aller chercher de l'audience. Donc, les artistes se retrouvent souvent avec des vidéos qui font à peine 10 000 vues, quoi, alors que ça vaut vraiment pas l'investissement qu'ils ont fait. Et en fait, nous, on a une belle audience d'influenceurs sur Tipeee. Donc, Tipeee, pour rappel, c'est une plateforme qui permet justement aux influenceurs d'aller chercher des fonds, donc des dons, des tips de la part de la communauté. C'est un peu du crowdfunding aussi, du coup, Tipeee. Alors, c'est un peu du crowdfunding, mais c'est pas la même. Il n'y a pas de reçu fiscal, c'est pas. N'importe quoi. Non, mais en fait, c'est pas le même but. Je sais pas d'ailleurs, est-ce que c'est déductible les dons sur Tipeee? Je sais pas. Alors, ça, du coup, je peux. Est-ce que sur KissKissBankBank, déjà, ça allait, je le savais pas, tu vois. Donc, voilà. D'accord. Bon, bref, on fait pas non plus que des actions pour être défiscalisées. La partie logistique de Tipeee, parce que du coup, moi, je m'occupe beaucoup, enfin, je travaille essentiellement sur Clippy. Mais quoi qu'il en soit, donc, c'est une plateforme où les influenceurs peuvent solliciter leur communauté pour recevoir des dons. Donc, c'est pas du tout la même finalité que sur KissKissBankBank, par exemple, puisque c'est pas pour financer un projet. C'est pas non plus un financement où on aura des contreparties. C'est vraiment promo digital. Non, Tipeee, c'est. Non, c'est du don récurrent. C'est-à-dire que. Ah, je croyais qu'on parlait de Clippy, là. Tu vois, c'est trois personnes, c'est trop pour moi. À mon âge. Mais exactement, comme dit Mathieu, c'est du don récurrent. Donc, c'est plus des gens qui vont aller soutenir des influenceurs en leur donnant une petite somme d'argent. Voilà, 12 euros de type moyen en général. Et donc, en fait, nous, on s'est positionné en tant que,
que diffuseur avec Clippy en proposant aux artistes, si vous voulez aller chercher donc une nouvelle communauté et essayer d'engager de nouvelles personnes, vous pouvez donc diffuser votre clip sur les profils d'influenceurs sur Tipeee. Donc dans un premier temps, après on va aller chercher d'autres partenaires que Tipeee. Mais voilà, donc aujourd'hui les artistes ils peuvent financer des campagnes où ils vont aller donc diffuser leurs clips sur les pages des influenceurs et donc aller toucher la communauté des influenceurs. Donc c'est comment vous en êtes venu à vous rencontrer, à bosser ensemble alors? Ben tout simplement parce que alors nos chefs, donc Mickaël et le patron de Mathieu bossaient déjà. Vincent Ricard. Ouais, Vincent. Il s'était bien. Et Mickaël a fait le lien tout simplement, donc il m'avait passé le mail de Mathieu et voilà, on s'était rencontrés et on avait vu qu'il y avait des synergies à mettre en place ensemble. Donc, ouais, voilà. Tu as fait des campagnes de crowdfunding toi? Oui, pardon Mathieu. J'allais juste te dire que c'est en fait c'est des outils bien complémentaires de sa promo. Une campagne de crowdfunding, c'est le moment où tu commercialises, tu fais de la prévente sur ton projet. Et quand il est sorti, en fait, derrière, Clippy, ça correspond vraiment bien. Surtout que vous avez une cible de créateurs, en fait, tout type de créateurs vidéo, à la fois des musiciens, mais aussi des réalisateurs, des gens qui font des courts-métrages, ce genre de tous les gens qui font de la vidéo, tout simplement. Et en fait, on a énormément de projets qui financent ce genre de choses sur KissKiss, que ce soit des clips musicaux, mais aussi des courts-métrages, enfin, plein de productions dans ce goût-là. Et donc, l'idée avec Clippy, c'était aussi de se dire que ça apportait vraiment un service complémentaire pour des porteurs de projets, d'avoir... Mais en fin de campagne, du coup. Ouais, après tu peux faire la promo. Parce que je me demandais si tu faisais le promo de la vidéo de campagne sur Clippy, ça pourrait le faire ou pas, ça? T'en penses quoi, Aymeric? Faudrait rester? Aymeric. Mais je pense que c'est complètement possible. Parce que c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas sur KissKissBankBank, il y a une vidéo de présentation quand tu te connectes à la page. Là, on ne l'a pas vu, mais une vidéo de présentation. Elle est souvent hébergée par YouTube, non? Ou directement par le site, par KissKissBankBank? Peu importe, ça peut être YouTube, Vevo. Ça peut être les deux, mais en tout cas, est-ce qu'on pourrait justement faire sa promo via Clippy de la promo? La promo de la promo dans la promo? Ouais, après, je pense que pour le coup, il faudrait réussir à vraiment bien cibler les bons influenceurs sur lesquels ça peut être pertinent. T'as un groupe de métal, tu vas aller chercher Metallica et tu vas essayer de te mettre devant. Vous l'avez vu sur Tipeee, Metallica, je crois. Hein. Metallica, oui. Ouais. Sur Tipeee, je sais pas s'il y est, mais en tout cas, je sais c'était chez vous, hein, qu'il était Metallica. Ouais, il a fait une ouais. Mais c'était lui-même qui faisait sa propre campagne. Je saurais pas te le dire chez Tipeee. Mais donc, Aymeric, vous l'avez jamais fait le test, en tout cas, de mettre une vidéo en promo de présentation d'un projet. On n'a jamais testé ça parce que jusqu'à présent, c'était vraiment un partenariat où Clippy intégrait le bundle que KissKissBankBank présentait à leur porteur de projet. Et vice-versa, il y avait aussi… C'est surtout sur effectivement le produit final, le clip, effectivement, le clip de l'artiste dès que le projet est finalisé, quoi, en fait, effectivement. C'est ça. Bah, en fait, c'est vraiment… On a vu une synergie… complémentaire, si tu veux, puisque justement, un artiste qui arrive à la fin de son projet, il va ensuite l'inscrire dans une phase de promo et c'est là que Clippy intervient, justement. Donc, c'était vraiment complémentaire. Et Mathieu, justement, qu'est-ce que tu conseilles en termes de financement? Qu'est-ce qu'on voit le plus? Alors, parce que justement, on disait de ne pas faire financer l'intégralité du projet. Il y a quoi? Il y a du clip, souvent, d'ailleurs. Il y a du clip. Tout fonctionne en fait. Ce qu'il faut bien réfléchir, c'est vers quoi on flèche les fonds. Ouais. Et donc potentiellement plutôt vers des trucs qui sonnent dans la tête des gens. Où ils vont pas se dire je vais financer son projet pour qu'il paye son attaché de presse et qu'il paye de la promo. On sait tous en tant que musicien ou personne qui travaille dans ce milieu-là que c'est hyper important d'avoir une bonne promo. Mais faut plutôt flécher en fait les dons vers la production des contreparties, le pressage, les choses un peu impondérables où tout le monde peut un peu se rendre compte, tout simplement parce que c'est concret. Donc quand on soutient un projet financièrement, on a envie de savoir à quoi ça sert. Et donc se dire en fait je vais payer son budget web marketing pour faire des sponsors sur Facebook. En fait personne n'a envie de ça. Donc il vaut mieux au contraire dire ça finance la production des contreparties, des objets, etc. Et puis ensuite, sur les projets qu'on peut financer, on peut tout imaginer. Hein. Il y a du clip, il y a des EP, des albums, des singles. Il y a des projets musicaux un peu plus cross-discipline avec de la danse, des spectacles, des choses comme ça. Il y a vraiment tout. L'idée, c'est de trouver la bonne mécanique de contrepartie et puis de bon public pour aller parler du projet. Et au niveau de Clippy, c'est quoi le type de clip là, on est à fond sur l'urbain. C'est quoi la typologie un peu des clips qui sont en… Alors déjà, on avait
Alors, au lancement de Clippy, déjà, on avait donc réservé l'outil exclusivement aux musiciens. Donc, on faisait une phase test, si vous voulez, enfin, si tu veux, où du coup, les artistes pouvaient faire la promo de leur clip. Donc, on acceptait que les clips musicaux. Et ensuite, on a ouvert, du coup, aux influenceurs. Donc là, un YouTuber, aujourd'hui, que ce soit de la cuisine, de la mode, etc., il peut venir faire une promo sur Clippy. Après, au niveau de la typologie, on a vraiment de tout, puisqu'en fait, on propose des outils de ciblage. Donc, ça va autant s'adresser aux artistes qui font de la musique pop, de la musique rock, de la musique plus indé, de la musique électro. Et j'avoue que pour l'instant, enfin, on n'a pas vraiment une typologie précise. C'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde, quoi. Sur Clippy, il y a quand même la possibilité de cibler des audiences, hein, quand même. Hein. Ça balance pas le truc comme ça, n'importe où, n'importe comment. Sur n'importe quel profil. Si tu veux, nous, on a développé un petit système donc, pour connaître les goûts musicaux de l'audience des influenceurs qu'on a sur Tipeee. Et donc, comme ça, on peut justement proposer aux artistes de cibler. Tu vois des clips, tu choisis ce que tu aimes et après, ça te propose des trucs à découvrir, hein, c'est ça? Alors, en fait, donc, le côté utilisateur, donc, l'utilisateur va arriver sur la page Tipeee de l'influenceur qui veut soutenir. Donc, il va avoir une première alternative qui est de soutenir financièrement l'artiste, donc avec un type monétaire, enfin d'argent. Et ensuite, donc, il y a un deuxième module qui s'adresse plus aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de soutenir l'influenceur, ou même qui sont mineurs, qui ne peuvent pas rémunérer l'influenceur. Et ben là, il va pouvoir ouvrir donc, la petite fenêtre Clippy. Et nous, vu qu'on connaît ses goûts, puisqu'on lui a, en fait, il a déclaré ses goûts musicaux plutôt quand il s'était logué sur la page Tipeee, et ben nous, on va pouvoir lui proposer uniquement les clips qui correspondent à ses goûts musicaux. Waouh! Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on peut, justement, en termes de sous, comment on peut. On a des chiffres quand même de savoir avec combien on a combien de vues, etc. Puisque c'est quand même ce qui intéresse beaucoup aussi de savoir. Tu m'avais déjà dit des estimations. C'est ça. En fait, on fonctionne pour l'instant de base, enfin le coût par vue. Donc, on annonce un coût par vue qui est de 3,5 centimes donc, okay. Pour l'artiste. Donc, en fait, au moment de créer sa campagne, l'artiste il va rentrer donc, un budget qu'il est prêt à dépenser. Et nous, on va lui donner l'équivalent en vue et en impact qu'il aura sur sa campagne. Bon, voilà. On peut dire 5 centimes, donc 3,5 centimes. Enfin, c'est un peu plus haut que ce que proposerait par exemple un YouTube, etc. Mais par contre, les conditions de visionnage, c'est pas du tout les mêmes, puisque du coup, c'est juste des vues qui auront duré plus d'une minute, qui seront donc. Ah oui, d'accord. C'est la comparaison avec le pré-roll YouTube, c'est ça dont tu parles. Exactement, enfin le coût par vue que YouTube propose sur sa plateforme YouTube Ads, par exemple, et ben il est un peu inférieur, mais du coup c'est pas juste un visionnage d'une pub avant la vidéo, c'est vraiment une personne qui vient volontairement regarder un clip, elle est obligée de rester une minute pour. Ah, c'est une minute obligatoirement sur Clippy. En fait, la personne qui vient soutenir un influenceur fait un visionnage d'une minute et au bout d'une minute, eh ben, nous, on prend 3,5 centimes dans le budget de l'artiste et on les donne à l'influenceur. Ok, très bien. Et en gros, le contexte de visionnage est complètement optimisé justement pour favoriser l'engagement, puisque la personne qui va regarder le clip donc, va rester une minute, on a habillé le player, donc on prend la vidéo YouTube de l'artiste quand il crée sa campagne, on habille le player, on intègre les liens de... un peu comme moi, avec une déco un peu. Exactement, mais c'est à peu près ce concept-là, tu vois. Il est aux enfants, quoi. Non, mais la réalité est qu'on voit vraiment qu'il y a un engagement très fort et que toutes les agences avec qui on travaille aussi, puisqu'on travaille aussi avec les agences de com, nous disent que c'est vrai qu'avec Clippy, il y a un taux de visionnage qui est extrêmement élevé, enfin un taux moyen de visionnage puisqu'il est supérieur à une minute. Il est de 1 minute 56 en moyenne. C'est ça la présentation, ensuite, hein, donc le petit… Voilà. Exactement. Et ensuite, il y a aussi un taux de clic qui est assez élevé. Voilà. Après, ça dépend. Nous, on ne garantit pas un nombre de taux de clic ou un taux de visionnage moyen. On dit juste, voilà, nous, on vous garantit qu'on va pousser votre vidéo tant de fois sur des visionnages de 1 minute. Donc, vous êtes sûr d'avoir au moins l'équivalent de votre budget. Ah oui, c'est marqué, visionnage de moins de 1 minute, ok, chaque visionnage de votre vidéo, voilà, tout à fait. Voilà. Donc là, il y a un peu, effectivement, quand on choisit, payer, ok, super. Pas plus de 3 visionnages par jour, et par contre, hein, histoire d'éviter les petits chinois qui cliquent, cliquent, cliquent. Après, encore, ça a évolué dans le sens où, en fait, c'est l'artiste qui décidera le nombre de vues maximales que quelqu'un pourra faire sur sa vidéo par jour. Ah ouais?
Donc, donc si par exemple c'est un artiste qui veut faire le maximum de vues le plus rapidement possible, voilà, bon, ça c'est pas non plus l'utilité principale de Clippy, mais il va pouvoir limiter au maximum donc 3 vues par jour par utilisateur. Et si c'est quelqu'un qui veut étaler plus sa campagne pour aller chercher le maximum d'audience, et ben il va limiter à 1 vue par jour et par utilisateur. C'est paramétrable. Mathieu, est-ce qu'on pourrait terminer donc sur notre petit... Alors, on a fait les cercles, là, les jolis cercles, ouais, les 1, 2, 3, Aquafresh 3, pour ceux qui sont de ma génération. Les cercles, effectivement, on commence par famille, amis, gens hyper proches. Ensuite, une bonne petite newsletter. Une bonne grosse newsletter avec des bons... On communique sur le lien sur les réseaux sociaux. Et là, voilà, on commence à communiquer. L'idée, c'est en fait... que une fois qu'on a, on annonce son projet, on dit on va le sortir le 3 juin. En fait, le 1er juin, on a déjà mobilisé tout le cercle 1, qu'on a même prévenu en amont. Et donc, quand on balance son lien sur les réseaux sociaux, dans sa newsletter, sur tous les médias qu'on peut mobiliser à partir du 3 juin en disant ça y est, c'est l'heure de l'ouverture, vous pouvez précommander le projet, découvrez ce truc de ouf qu'on vous a préparé. Derrière, en fait, vous avez les gens qui arrivent sur la page. Miracle, il y a déjà 50, 100 contributeurs. Et donc, en fait, c'est comme ça que tu enclenches la boule de neige et que quand tu arrives, toi, en tant que contributeur, tu suis vaguement un groupe sur Facebook et tu te dis, il est en 50 funding, tu vas voir la page. Il y a déjà 100 personnes qui ont soutenu le projet. Tu te dis, faut que j'y aille. J'ai envie d'y participer. Enfin, c'est vraiment un truc grégaire, mais en fait, ça fonctionne. C'est l'effet de masse. Ouais, c'est l'effet de masse et puis l'effet d'urgence, comme tu disais, c'est-à-dire qu'il y a un timing. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en fait, c'est quoi le max 45 jours 60, mais en vrai, il vaut mieux se lancer dans des campagnes assez courtes. Il faut qu'elles soient dynamiques, que les gens aient envie de soutenir. 30 jours, c'est la moyenne, non? 30 jours, c'est pas mal. 30-35 jours pour avoir deux jours de paye dans sa phase de collecte. Ah oui, c'est ça. Alors, c'est quoi le truc des mois de paye là? Dans le grand sac à conseils qu'on donne, il y en a plein présents sur nos sites, etc. Donc, et puis, on vous les donne aussi quand on est avec vous. Il y a les jours de paye. C'est-à-dire que lancer son projet en début de mois, c'est plus malin qu'en fin de mois. Parce qu'en fait, en fin de mois, les gens, ils n'ont peut-être pas d'argent. Du coup, ça les met peut-être en galère de vous soutenir. Donc, c'est des trucs auxquels il faut penser. Pareil, hein, les mois d'été, c'est pas toujours des mois hyper faciles pour communiquer. Sauf si on a un projet très plage, machin, où là, on joue vraiment autour de ça. Il faut respecter un genre d'agenda aussi et réfléchir un petit peu à sa communauté. Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Est-ce que tout le monde est dispo ou est-ce que tout le monde est en vacances? Et ça tient. Ça fonctionne pour tous les projets, hein, d'ailleurs. Actuellement, c'est une phase un petit peu plus compliquée. On pense que l'été 2020, il va être un petit peu différent des autres étés parce que les gens vont partir, parce que il va y avoir plein de changements, plein de bouleversements. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut se poser la question de l'agenda de sa communauté et qu'il faut bien organiser cette campagne de com et cet agenda parce qu'en fait, il faut faire vivre sa campagne tous les jours, faire des actions pour faire en sorte qu'il se passe des trucs. Oui, c'est ça, on n'en a pas parlé non plus, mais il faut un planning de campagne, hein, bien évidemment. Exactement. Et avec des publications, des choses prévues, des textes écrits, des bouts de vidéos, des machins où on dévoile des aspects du projet. Il faut vraiment voir ça comme une campagne de contenu parce que quand on a dit 3 fois « soutenez-nous », les gens, ils ont compris, quoi. Donc, faut pas les saouler. Justement, l'idée, c'est d'essayer de faire une campagne qui donne envie, qui montre des aspects du projet, qui montre que le projet, il évolue. On remercie aussi les gens en cours de route parce que bah, tout le monde a envie de se faire remercier sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi ce truc où tout le monde poste une photo d'album et tag son pote avec qui il l'a écouté, ça fonctionne? Juste parce qu'en fait, il y a une interaction publique avec les gens. Et le fait d'être remercié, ça a une valeur symbolique super forte, en fait. On s'en doute pas forcément, mais nous, on observe ça depuis 11 ans, on connaît ça par cœur. Quand on dit merci aux gens, en fait, les autres ont envie de se faire remercier. Et donc, c'est tout des mécaniques assez classiques, mais si on met tout ça bien ensemble, on peut faire vraiment une belle campagne et attirer le monde et faire en sorte que ce soit positif et pas avoir l'impression qu'on est en galère pour boucler le financement. Non, on a une communauté de ouf qui est prête à le soutenir, le projet, et du coup, on va aller la chercher parce que c'est ça qu'elle attend. Et comme en plus, on sait ce qu'elle attend, on lui propose des contreparties encore mieux que ce qu'elle avait espéré. Et donc, il faut vraiment rentrer dans une dynamique positive et c'est ça qui fait une belle campagne. Bon, ce qu'on appelle le critère réassurance. Donc, si on plante sa campagne, eh ben, on peut la retirer, il n'y a plus de traces, personne ne voit plus rien pour ceux qui auraient peur. Ça arrive. S'il manque 100 balles ou 200 balles, évidemment, sur 5000, on les met. Hein, on crée son compte et puis on les met. Hein, faut pas se voiler la face. Mais le but du jeu, quand même, c'est de se mettre des paliers réalistes et puis de les dépasser. Quoi. Évidemment, 150, 200%. Parce que même si derrière, si vous avez envie de faire disparaître des internets votre campagne, vous pourrez toujours. L'idée, c'est quand même qu'elle reste et qu'elle reste comme un marqueur. Et qui a un avant et un après, quoi. D'un point de vue de la communauté de la fanbase, et puis aussi,
même tout à l'heure on parlait des pros et de la façon dont ils peuvent regarder les campagnes de crowdfunding, ils ont l'habitude, ils en ont vu plein des groupes quand on fait des campagnes, ils savent à quoi ça correspond. Et du coup, quand on fait une belle campagne avec des paliers et qu'à la fin de sa campagne, ce qui reste, c'est une page où on a tapé 300%, bah en fait, dans la tête des gens, c'est quand même différent, quoi. On arrive, on fait beaucoup plus envie, on se dit qu'il y a des fans, on se dit qu'il y a des gens qui soutiennent le projet, et ça, c'est essentiel. Parce qu'en fait, aujourd'hui, personne ne signe des groupes qui ont rien de tout ça, qui juste sur la base. Mais c'est vrai qu'après, la campagne, elle est référencée, tu tapes sur Google, tu trouves la campagne. Tu vois l'engagement, le nombre de contributeurs, le nombre de commentaires, évidemment, tout ça, c'est des on va dire, social proof, en tout cas, c'est des signaux verts, quoi, pour des partenaires. Après, tout ne fait pas, voilà, tout, mais c'est, comme tu disais, l'accumulation de tout ça qui fait que, voilà, c'est un truc en plus. C'est-à-dire qu'on a des beaux réseaux sociaux bien entretenus, on a des beaux clips, des trucs qui ont bien marché, on a été playlisté, on a tout ça. En plus de ça, on a fait une campagne de crowdfunding qui fonctionne, qui a super bien fonctionné. En réalité, c'est exactement ce que je disais au départ, hein. La campagne de crowdfunding, c'est un élément de sa stratégie de diffusion. Et en plus de ça, ça rapporte de l'argent. Donc, c'est quand même vachement bien. Parce que, premièrement, ça permet de se crédibiliser auprès de tout le public. Et en même temps, ça rapporte des fonds. Donc, quand on le fait bien et qu'on la positionne bien dans son plan de développement de projet musical, en fait, derrière, c'est vraiment tout bénef. Et ça permet vraiment de donner aussi un bon coup de boost. Et puis aussi, ça permet aussi de mettre les choses au clair. Parce qu'il y a aussi des fois, il y a des gens qu'on n'intéresse plus avec son projet, hein, ça arrive, hein, c'est le cas de tous les projets. Ouais, de poser les choses et de faire un bilan, quoi. C'est un peu un bilan aussi, une campagne de crowdfunding. C'est le moment où on se dit, bon, allez, on teste, on voit ce qui se passe. Et, alors, quand c'est bien préparé, il n'y a pas de souci. Ouais, Hugo, petite dernière question. Oui, on ne va pas tarder à, comme on disait dans les années 40, à rendre l'antenne. Petite dernière question. Y a-t-il un risque au niveau des droits qu'un projet avec un bon concept soit copié lorsqu'on expose de cette façon? On peut pas protéger une idée. Je recommence. C'est une bonne question. Et en plus, nous, on a l'habitude, parce qu'on a souvent des projets qui sont, pour le coup, brevetés. Ouais, des vrais concepts, quoi. Musical, oui. Voilà, avec des concepts, des gens qui ont déposé, etc. Des brevets, ouais. En fait, nous, on croit en un truc qui peut paraître un peu galvaudé aujourd'hui, c'est l'intelligence collective, mais ça a quand même du sens dans la mesure où une bonne manière de avec le confinement, c'est pas évident. les gens sont très connectés, donc on peut parler d'intelligence connective. Bon, il y a plein de bouquins sur le sujet, si ça vous intéresse. Ce que je veux dire par là, c'est que une bonne manière de protéger son idée et son projet, c'est aussi d'en parler à tout le monde. Et quand on est le premier à en avoir parlé et l'avoir crédibilisé via une campagne de crowdfunding, derrière, il n'y a plus de doute. Et derrière, ça constitue une preuve. Enfin, il peut y avoir aussi. Oui, c'est daté un peu numériquement. C'est une vie digitale, quoi. Ça peut constituer une preuve aussi. Mais après, les bonnes idées circulent, et c'est sûr que on n'est pas à l'abri de se faire piquer l'idée quand on diffuse son projet. Mais à un moment, il faut bien le diffuser, et donc, que ce soit sur une campagne de crowdfunding ou autre, quand on communique, on a livré le projet au public, quoi. Emery, chez Clippy, il y a aussi une équipe, hein, qui prend soin des clients, qui les conseille. Comment ça s'appelle chez vous, coach team manager, toi aussi? Non, l'équipe, c'est Mickaël et moi. Bon, très bien. Une équipe familiale. Mais je veux dire, on a des êtres humains au bout de la ligne, quoi. On peut vous contacter, vous pouvez conseiller. Oui, bien sûr. Alors, il y a bien sûr un support pour Clippy. Après, pour l'instant, enfin, c'est un outil qui est assez nouveau qu'on a lancé l'été dernier, donc en plein développement. Donc, pour l'instant, enfin, je m'occupe personnellement de répondre aux questions. Pour l'instant, on est bien traité, en fait, donc faut en profiter. Pour l'instant, c'est juste en mesure. C'est exactement ça. Non, mais c'est vrai. Après, on n'hésite pas, tu vois, parce que on propose des services de design pour les artistes qui n'ont pas accès à des ressources graphiques, etc. Pour l'instant, tu vois, on le fait nous-mêmes, on le fait pour eux, etc. Et d'ailleurs, chez Kiss Kiss, petite parenthèse, il y a aussi un studio, non? On a un studio avec des gens qui sont vraiment spécialisés dans la création de contenu. Ça, c'est cool, je vais essayer de le retrouver. Tu connais le lien? Je fais quoi, studio Kiss Kiss Bank Bank? Tu fais studio.kisskissbankbank.com ils n'ont pas forcément beaucoup travaillé encore avec des projets musicaux, quoique. Ça a réouvert, d'ailleurs. Ils travaillent un maximum à distance. Alors après, sur les tournages, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Ils essaient de faire en sorte de s'adapter. Mais en tout cas, ils font un peu de dingue. C'est
là où je... c'est rue Paradis. Là. Enfin, on est rue Paradis, ouais, dans le 10e. Ouais. Mais après, il se déplace, il peut vous faire des devis. Il y a une brochure tarifaire sur le site, vous pouvez regarder. C'est, j'ai mis le site, moi, effectivement. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, parfois, on veut lancer des trucs et on n'a pas forcément… Et là, en fait, dans la perspective d'une campagne, quand on veut vraiment faire les choses bien, avoir des contenus pro, etc., eux, c'est les spécialistes en la matière parce qu'ils ont fait des tonnes de vidéos de projets et c'est vraiment des killers là-dessus. Ils savent toutes les ficelles pour faire fonctionner les vidéos de projets et on sait que quand ils bossent sur les projets, ça fonctionne vraiment super bien. Et puis même de manière générale, c'est eux qui assurent toute la charte graphique de KissKiss, tout ça. Ils ont des tarifs pré-négociés pour les porteurs de projets, vraiment dédiés à des contenus de campagne. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire une super belle campagne. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, ils ont aussi fait un truc assez ouf dont on est assez fier, c'est qu'on est la première plateforme à avoir un compte Giphy certifié sur Instagram et tous les canaux. Et ça, Cédric, toi, tu sais que ça pèse dans le game. Tu me diras. Et donc, quand vous faites une campagne et que vous avez un peu envie d'aller chercher des influenceurs sur Instagram, etc., mais je pense en particulier à Instagram, c'est quand même assez utile d'avoir tous les jolis petits gifs qui ont été faits par le studio. Donc, si vous allez maintenant sur Instagram et que vous tapez KissKissBankBank dans les stickers, vous allez trouver plein de gifs sympas qui ont été réalisés par le studio. C'est une toute petite partie de leur travail, mais ils bossent vraiment super bien et ça vous donne un petit peu une idée de la qualité de ce qu'ils peuvent vous proposer, quoi. Et chez Clippy, c'est quoi le budget moyen et le temps moyen de promotion? Tu conseilles quoi, toi, en termes de budget, en termes de temps? Alors, ça dépend encore une fois de la typologie de l'artiste ou en tout cas de la personne qui lance la campagne. Donc, on va en général pour les artistes indés qui vont donc créer leur campagne eux-mêmes et financer leur campagne, on est sur un panier moyen de à peu près 50 euros. Uh-huh. Donc là, ça, c'est une campagne qui va durer seulement quelques jours. Après, encore une fois, ça dépend vraiment de tous les paramètres, enfin de la façon dont on paramètre la campagne, puisque la durée de la campagne va changer forcément. Et 50 euros, à peu près ça, 50 euros. 50 euros, ça doit faire un peu plus de 1000 vues. Un peu plus de 1000 vues, ça dépend aussi. Comment ? Qualifié. Attends, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Qualifié, oui, exactement. Des vues qualifiées, donc visionnage uniquement des vues qui auront plus de 10 minutes. Des vrais gens, non, mais en fait, pour visionner un clip sur le plugin Clippy, il faut être Google logué, de toute façon. Ouais. Donc, oui, bien sûr, en fait, ça passe par les comptes Tipeee. Donc, en fait, les gens sont obligés de se loguer sur Google pour pouvoir visionner un clip. Donc, forcément, on a dû passer par un process de validation par YouTube, etc., puisqu'on est connecté à l'API YouTube et tout. Donc, c'est que des vraies personnes qui viennent consulter les clips, quoi. Ouais, donc ça rigole pas du tout. Ça rigole pas, là. Ça rigole pas. Après, le but, c'est vraiment d'aller chercher de l'engagement, qu'il y ait des réactions, que les artistes puissent avoir des retours. Au-delà de faire des vues sur la vidéo, on sait tous que ça a une importance pour un artiste quand il sort un clip d'avoir un nombre de vues, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'engagement qu'il va trouver dans les commentaires, sur les likes, sur les abonnements à la chaîne YouTube et tout. Et en fait, nous, on met tout en place pour maximiser ça. Et forcément, déjà, le fait que la personne qui visionne le clip doive se loguer, déjà, c'est une preuve de volonté, en tout cas, de finir un influenceur et donc de découvrir la vidéo. Et c'est vrai qu'on a des bons taux d'engagement puisque les gens, ils prennent une minute de leur temps pour regarder. En général, ils réagissent. S'ils n'aiment pas, ça arrive. Ils peuvent laisser un commentaire, mais globalement, on a des réactions plutôt positives et les utilisateurs Tipeee commencent à connaître le fonctionnement. Donc maintenant, ça se fait de manière plus fluide, quoi. Au début, c'était un peu qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Emeric, merci beaucoup. On va te re-téléporter, du coup. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous Emeric, à bientôt. À vite. Et puis, écoute, à la vraie vie. Hein. Yes, j'espère. À très vite. Merci. Alors, Mathieu, on va conclure du coup. On a fait une bonne session là. Alors, on va conclure. Qu'est-ce qu'on pourrait, pour résumer, dire? On va pas faire comme si quelqu'un arrivait maintenant parce qu'il va regarder en replay, évidemment. Hein, faut pas tout refaire. Mais si on devait un peu résumer tout ce qu'on a dit. Voilà, je suis un artiste, alors généralement il faut arriver après avoir eu tout son contenu, hein, c'est ça, faut pas arriver en mode je suis encore avec mes guitares voix, ma maquette, hein, faut du contenu quand même. Hein. Ouais, alors après on peut aussi, il y a des fois où des sessions sont pas terminées, il manque des choses, etc. C'est plutôt sur le concept, parce qu'on a aussi pas mal d'artistes qui vont financer des sessions, du mastering, du mix et tout, c'est du boulot, ça coûte de l'argent, etc.
Mais il faut avoir le concept, en fait. Il faut vraiment se dire qu'est-ce que je veux financer, quel vraiment le produit, hein, c'est, on pense ce marketing, mais est-ce que c'est un disque, est-ce que c'est un live, est-ce que c'est un clip, et puis qu'est-ce que je propose en échange. Et derrière, on construit une sortie vraiment bien boostée sur ce projet-là, par l'intermédiaire d'une campagne de crowdfunding, où on se dit que si on lève des fonds, on va pouvoir livrer le projet assez rapidement derrière, quitte à avancer une certaine partie des frais de production, hein, et on fait vraiment une grosse campagne autour de ça, avec un projet qui sort pas trop longtemps après, pour vraiment rester dans la dynamique où la communauté est chaude, attend le truc, etc., s'est motivée autour du projet. Je veux faire attention à ça, hein, parce que parfois on lance des campagnes et on est loin de la... C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir quand même le contenu, parce que il faut qu'une fois la campagne validée, on puisse faire un showcase, que les CD soient prêts pour être donnés pour ceux qui ont contribué, enfin donnés à ceux qui ont acheté sur la plateforme, ou en vendre d'autres. Donc, moi je considère quand même que là, c'est quand même phase promo, hein, le crowdfunding, donc phase promo, ça veut dire contenu quand même. Hein. Contenu, il y a un truc qui fonctionne bien aussi, dont on a déjà parlé, qui est un petit peu le petit tips qu'on donne souvent. Si vous avez l'habitude, ou en tout cas l'ambition de faire une version presse, vous pouvez aussi faire une version qui est exclusive, que vous envoyez à la presse, ouais. Mais, ou aux médias, aux influenceurs, etc., mais que vous enverrez aussi à vos contributeurs, elle sera dédicacée, etc. Ça donne aussi un supplément d'âme, hein, quand on parle d'exclusivité sur la campagne, c'est, ça compense. C'est que vraiment, si on joue c'est de ce côté exclusif, on peut se procurer des choses que à cet endroit, etc., etc., bah, d'un côté, on peut vraiment avoir un truc sympa à proposer à sa communauté. Et de l'autre côté, ça permet aussi d'avoir aussi des pressages presse qui sont quali, qui sont chiadés, etc., et puis qui vont donner envie aussi à la presse de vous écouter et de vous relayer. Donc, ça peut être une manière de faire. Quoi qu'il arrive, effectivement, comme tu le dis, il faut vraiment avoir des éléments, il faut avoir du contenu visuel, il faut avoir des choses qui tapent un peu. Et vous savez sûrement, mais un projet, entre le moment où il est enregistré et le moment où il sort vraiment, il y a parfois des années. Tout simplement parce que en fait faut bien penser ça, la diffusion du projet, faut soigner aussi la façon dont on se met en scène, et faire une bonne campagne de crowdfunding, c'est aussi une bonne manière de le faire, avec une bonne communauté, avec des contenus qui sortent, et puis un moment fort en fait de la communication autour de ce projet, on va identifier toutes les personnes qui sont aussi motivées pour le soutenir. Donc ça sert vraiment à ça, mais évidemment faut le faire de façon pro, et si on a trop peu de choses, c'est compliqué. Après, il y a des projets qui font tellement d'autoprod et qui sont tellement débrouillards et qui sont tellement malins pour faire les choses bien, qu'ils arrivent aussi à tout faire financer sur la campagne de crowdfunding. Du coup, ça repousse un petit peu le moment de la sortie. Mais par contre, ils font une belle promo, ils ont déjà bien le concept, ils ont déjà bien les idées, etc. Et si ça, c'est bien fait, en fait, ça peut fonctionner. Et les gens sont prêts à attendre aussi parce qu'ils comprennent. Tant qu'on communique bien avec eux, qu'on leur explique et tout, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est qu'il faut se mettre dans une démarche très pro, où on construit bien les choses et où on fait vraiment les choses qualitativement, quoi, où on fait une belle campagne qui est le reflet de son beau projet, et tout ça va ensemble dans un plan cohérent au niveau de la com et de la promo. Je pense que tu as déjà fait des éléments sur la com et la promo pas mal de fois ici, et ça va te plaire, en fait. C'est vraiment c'est faut le voir ça comme un élément de sa stratégie. Ok, bah écoute Mathieu, un grand merci. Merci. Bon, bah si on veut te contacter, t'es sur LinkedIn, t'es absolument partout. Donc Mathieu Schnelli sur LinkedIn, vous le retrouvez. Et puis de toute façon, quand on crée un projet, on a l'adresse contact là, on a tous les liens pour contacter la team et tout. Toutes les adresses renvoient vers nous, que vous écriviez à contact@kisskiss ou à projet@kisskiss. Vous trouverez forcément quelqu'un pour vous répondre et vous aider derrière. Voilà, super. Ben merci beaucoup Mathieu. Écoute, à bientôt dans la vraie vie. Et puis en attendant, prends soin de toi, bon déconfinement. Ça marche, tout pareil. Salut, merci Mathieu. Ciao, c'est ciao. Bye. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc on se retrouve demain à 17h. Vous avez le bonjour de Joe, quand même, c'est important. Qui demande sa promenade. Donc on se retrouve demain à 17h avec le retour, pour ceux qui l'ont raté, le retour de Florence Marin. Florence Marin, qui est directrice artistique chez WLab Wagram Music. Donc demain, de 17h à 18h, un Facebook Live avec Florence Marin de Wagram. Vous pouvez retrouver ce live sur toutes les plateformes, et notamment, comme je l'ai bien classé, profitons-en, vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube. Je vous ai fait une playlist avec toutes les émissions. Donc, il vous suffira de regarder la playlist en replay. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Et puis, à demain avec Florence Marin de Wagram. Bonne soirée. Bye bye.